ça fait trembler l'idée qu'on nous apprend et dont on est pétri, qu'il y a une nature à être homme et à être femme. Et donc dès qu'on va devenir autre chose dans sa trajectoire, toujours on va reprendre ces types d'accusations qui sont pourtant historiques, et on pourrait penser qu'on a fait du chemin et que ça a été assez dit, mais en fait ce dont étaient accusées par exemple les lesbiennes masculines dites butch, tu vois, à l'époque, les mecs trans subissent le même type aussi d'accusations aujourd'hui. Donc je m'appelle Juliette, donc j'ai été assignée fille à la naissance, et dès mon enfance en fait je me suis rendu compte que je vivais dans un théâtre de l'absurde et qui était violent et qui consistait à opprimer, on va dire, les personnes assignées femmes à la naissance. Et donc une oppression des dits hommes par les dites femmes, et que c'était un théâtre parce que ça m'a tout de suite semblé construit et quelque chose qui n'est pas du tout naturel. J'avais cette compréhension intuitive de la construction et aussi de la construction des genres, c'est-à-dire ce qu'on dit être naturel de comportement, de vêtements pour les hommes et pour les femmes. Je l'ai rejeté et je pense que j'ai tout de suite. Après, c'était très intuitif, mais je voulais tout en fait. J'ai toujours voulu tout être, et je pense que je suis quelqu'un de très aussi combatif, et qu'il n'y avait pas de raison que les personnes dites hommes prennent, enfin les hommes cis prennent plus de place que moi dans une cour de récréation, ou fasse des choses que je ne puisse pas faire, ou bénéficie par exemple de vêtements ou de politiques du corps qui leur permettent la liberté de mouvement. Et donc j'ai été ce qu'on appelle un garçon manqué, ce qui est bon, assez immonde comme expression, parce que je pense que je suis une personne très réussie. Je m'habillais entre guillemets comme un garçon, mais en fait c'est pas s'habiller comme un garçon, c'est simplement prendre les vêtements qui permettent la liberté de mouvement. J'ai pris cette liberté-là, et j'ai résisté avec aussi beaucoup de violence, et notamment la puberté, où je me suis en fait on m'a redit où était ma place, et où du coup je me suis féminisée, dans le sens où j'ai repris les injonctions à la féminité, à comment m'habiller, comment me coiffer, avoir les cheveux longs, que faire, parce que c'était la condition sine qua non pour être intégrée, pour plaire. C'était à la fois être intégrée et en même temps subir toutes les violences, y compris sexuelles, dont les femmes sont l'objet. Et puis j'ai connu une période de chômage où j'ai réalisé à quel point l'hétéronormativité était présente au travail. Donc c'est pareil, au travail il faut pouvoir séduire, il faut répondre aux mêmes injonctions à la féminité. Et le fait de ne plus avoir de travail, ça m'a permis de repenser en fait à mon enfance, à qui j'étais, à ce que je voulais produire. Je me suis rasé la tête, j'ai commencé à prendre des microdoses de testostérone, parce qu'il y a plein de moyens de résister, mais moi je veux résister de cette manière-là. Ce que je fais, c'est pas me masculiniser, c'est prétendre à la qualité de sujet et à la liberté. Et je ne serai jamais un homme, dans le sens de l'oppression des femmes, de cette définition politique. Je produis des comportements qui sont de l'ordre de la liberté, du sujet. Aujourd'hui, je vois par exemple dans la rue que passer dans ce spectre-là me permet par exemple de regarder au lieu d'être regardé en tant qu'objet. Je me suis vraiment rendu compte qu'avant je baissais les yeux tout le temps, j'essayais d'éviter des regards pour ne pas me faire agresser sexuellement, et qu'aujourd'hui, mon regard, je sais même pas quoi en faire en fait. Quand je croise une femme ou quelqu'un que je perçois en tant que femme, je sais même pas si je dois la regarder par exemple, parce que j'ai peur qu'elle puisse le vivre comme une oppression. Je ne sais pas trop où poser les yeux. Pour trouver un travail, pour trouver un logement, il faut absolument qu'on puisse être classé dans l'une ou l'autre de ces catégories. Donc d'un côté, il y a cette grande difficulté de, si moi je reste là pour l'instant, là où je suis, dans cette espèce de flottement, en fait je vais me prendre toutes ces violences-là au quotidien. Et à un moment donné, je suis sommée en fait de choisir mon camp, même si c'est quelque chose que je ne souhaite pas faire. Et on n'a pas forcément le choix en fait, parce qu'à un moment donné, on est tellement précarisé matériellement que même si de base il n'y a pas forcément une envie de correspondre à ce que les gens attendent esthétiquement d'un homme, par exemple ne pas avoir de seins, avoir de la barbe, etc. Même si on n'en a pas forcément envie, potentiellement, à un moment donné, je vais devoir m'y conformer parce que c'est trop violent en fait dans l'espace public.